L'aventure de Karuna a commencé il y a 20 ans, un jour où Ramjam Rinpoche, l'abbé du monastère de Sechen, m'a appelé et m'a dit « La communauté tibétaine est maintenant sortie un peu d'embarras, c'est le moment de redonner à la société qui nous entoure. » Il faisait en ça écho au Dalai Lama qui avait émis cette même suggestion. Nous avons donc entrepris la construction d'une clinique pas loin du monastère de Sechen au Népal, et d'une clinique mobile en Inde, près également du monastère de Sechen. C'était également le moment de la sortie du livre d'entretien que j'ai fait avec mon père, Jean-François Revel, le moine et le philosophe. À la suite de ce livre, j'ai rencontré un mécène, Klaus Heben, qui m'a demandé si nous pouvions entreprendre des projets humanitaires à l'intérieur du Tibet. Nous avons donc commencé à construire une école, une clinique, et puis nous avons continué. Et grâce à son aide, nous avons fait 80 projets au Tibet et l'aide d'autres mécènes qui nous ont rejoints. Et donc au fil du temps, parti d'une bande d'amis qui se lançait un peu comme au Far West dans ces projets caritatifs et humanitaires, peu à peu, nous sommes organisés, d'autres philanthropes et mécènes, les citoyens du monde nous ont rejoints pour donner davantage d'ampleur à l'aide que nous pouvons apporter. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous aidons 350 000 personnes environ chaque année dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux, principalement en Asie, en Inde et au Népal maintenant. Et puis, nous allons maintenant nous lancer dans des actions caritatives, également en France, en Occident, notamment au profit des sans-abri. Donc, c'est une magnifique aventure. Moi-même, alors que je prends de l'âge, je suis particulièrement heureux qu'une belle équipe soit en place et je souhaite de très nombreuses années d'activité altruiste de Karuna avec vous, ensemble au sein de cette famille altruiste. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'être encore avec nous pour les années à venir.